C'est bon, je peux y aller. Bien. C'est ma marque, le rabbi a répondu, on aura bien parlé, donc Shabbat Parashat Vayechi, Tashim Bav, sur les brachot, on a vu les chitas de Chumash d'hier, d'aujourd'hui et de demain, ils sont un peu longs, car ils sont tout simplement la traduction des codes qu'il y a dans les brachot que Yaakov donne à ses enfants. Oui, c'est des termes qui paraissent très simples. La majorité d'entre eux sont comparés à des animaux. Je ne vais pas maintenant rentrer Bichlam, parce que ce n'est pas le kivoun du Mahama. Mais en vérité, il y a, à travers les Rachid le rapporte, à travers toutes les brachot que Yaakov donne à ses enfants, en vérité, il est en train de leur rappeler tous les événements qui vont arriver beaucoup plus tard. À travers leur arrière, petit-fils, etc., etc. Donc, quand on arrive à Yehuda, Yehuda lui représente la dimension de la royauté, contrairement à Réhouven, qui a priori lui aurait dû hériter de ça, mais là encore, ce n'est pas le débat. Donc, là, il vient lui dire Yehuda, Teuduchachecha, Gomer. Il lui dit Yehuda, toi, tes frères, ils vont te louer, ils vont te reconnaître ta grandeur. Or, Moazaken explique dans le Torah Or de cette semaine, ainsi que dans les autres commentaires, les autres rébéim, soit qui sont déjà imprimés, soit qui pour l'instant ne le sont pas encore, on est en 1986, Yehuda ou Hachem n'a pas modé le travail. Pourquoi Yehuda? On sait très bien que chaque nom qui a été donné, alors il y avait une raison derrière. On l'a vu là-bas quand Léa a enfanté Yehuda, alors elle est venue dire n'a pas modé le travail. Moi je l'appelle Yehuda, parce que je loue Dieu. Elle a eu ça. Avant cela, elle a eu Réhouven, Shimon, Lévi. Après, arrive Yehuda. Ah, pourquoi elle a besoin de louer maintenant Yehuda, de Dieu, pardon, par rapport à Yehuda? Car tout simplement, elle savait, comme Rachid l'a dit, par prophétie, elle savait que Yaakov devait avoir 12 garçons. À partir de là, elles étaient quatre, qu'elles savaient que chacune, elle devait remplir le rôle de trois garçons. Donc, dès qu'elle a eu Réhouven, Shimon, Lévi, elle a dit, moi, j'ai fini mon rôle. Après, tout ce qu'il donne, c'est du bonus. Alors, quand elle a eu Yehuda, elle a dit, waouh, ça veut dire que moi, j'ai encore plus que ça. Donc, elle est venue remercier Dieu. D'ailleurs, juste après, comme on va le voir dans le Mahama, hein, juste après, elle vient dire que Batamod Miledot. Après qu'elle a enfanté Yehuda, alors pour l'instant, il y a eu une pause, mais pas retombée enceinte tout de suite. On va le voir. Non, alors, on dit pourquoi Yehuda, Hachem, Batamod Tavaye, donc il est Yehuda parce qu'il dit cette fois-ci, je loue Dieu comme je viens de l'expliquer, de le développer un petit peu, mais cette louange qu'elle a vis-à-vis de Dieu, elle représente un médine en habitude. C'est en vérité comme elle se soumet, elle s'annule devant Dieu, comme quelqu'un qui veut remercier un autre, qui lui est redevable de quelque chose de grandiose, devant lui, il baisse la tête, entre guillemets. Il s'agit de Dieu, c'est encore mieux. La chétrie, la mevarine, la vodata shvatim shelefanav, mais la demoise à Ken Rabbi nous dit, avant de commencer à nous parler et de nous développer l'idée de ce que représente Yehuda, avant cela, il vient me dire, la demoise à Ken, qu'il y a eu trois frères avant. Et qu'est-ce que représentent ces trois frères dans le service de Dieu? Alors il dit d'abord, avant de savoir qu'est-ce que représentent ces trois frères dans le service de Dieu, viens d'abord savoir, te rappeler, pourquoi elle a appelé Réhouven. Alors il dit, « Il y a Réhouven ou Al-Shem, Kira, Avaï et Gomer. » Il dit, Réhouven, pourquoi elle a appelé? Parce que Dieu a constaté, Dieu a vu ma souffrance, ma douleur.
Et alors, dans le service de Dieu, qu'est-ce que Réhouven représente? Pas besoin d'être un kabbaliste pour comprendre cela. Réhouven représente, comme son nom l'indique, Réhou, c'est-à-dire la dimension de la vision. Ça, c'est Réhouven. Très bien, c'est-à-dire, dans mon service de Dieu, le fait que chaque neshama elle a besoin d'atteindre sa dimension de vision du divin. C'est-à-dire quoi, vision du divin? Depuis quand on a vu que dans ce monde, alors nous, on va être capable, oui, d'atteindre le niveau d'une vision du divin. Il dit, alors il dit, quand on te demande de voir quelque chose, on porte des lunettes comme moi ou qu'on n'en porte pas, si on me demande de regarder quelque chose, c'est que la chose est à proximité. Donc, Réhouven représentant la vision du divin, c'est-à-dire que mon avoda, mon service de Dieu, il doit être Aïn, Shavoda, Ibignane, Lokut, Shebekiru, Léolam. C'est-à-dire de regarder le monde. Je ne peux regarder que les choses qui sont à proximité, choses qui sont à ma portée. Tu me demandes de regarder ce qui se passe dans les astres, dans la lune, je ne sais pas trop où. Pourquoi chercher loin? Me demander de regarder ce qui se passe au 10e étage. Je ne vais pas pouvoir. Donc, à partir du moment où tu me dis que c'est lié avec une vision et que ma vision de ce qui se passe dans le monde, alors ça veut dire que je vais regarder ce qui se passe autour de moi. Lève les yeux vers le ciel et regarde tout ce que Dieu a créé. Cette dimension, donc, le dernier dit, alors il dit que tout simplement, quand tu vas regarder, prendre conscience de la merveille, de la magnificence de la création, alors automatiquement, tu vas dire combien sont grandes tes actions, combien sont nombreuses tes actions. C'est-à-dire que c'est un des moyens de pouvoir s'attacher avec Dieu par le biais de regarder que cette merveille qui est autour de moi, constater et voir, elle a été créée par le Créateur. Et d'ailleurs, la Moazakel répète clairement, il n'y a pas besoin forcément, puisqu'on a besoin d'une nécessité de prise de conscience de la grandeur de Dieu avant la tefila, puisque Dan Fnemiatahomet, tu me demandes de savoir devant qui je me tiens. Ok, je me tiens devant qui? On va dire Dieu, c'est quoi? C'est le Créateur. Et alors? C'est quoi? Et alors? Il a créé quoi? Comment? Qu'est-ce? Lorsque tu vas constater tout ce qui se passe dans la création et comment la création est divine dans tous ses détails, automatiquement, ça va engendrer cette dimension d'attachement à Dieu. Et comme il dit ici, donc en vérité, c'est le niveau de Dieu qui emplit les mondes. Puisque je suis en train de constater, regarde comment les eaux ils fonctionnent, regarde comment la végétation fonctionne, regarde comment les insectes ils fonctionnent, chaque chose comment elle fonctionne. Il est bon de nous donner avec eux ou reine mais vialina vatachem. Donc, puisque cette vision est liée avec quelque chose qui est à proximité de moi-même, donc automatiquement, elle va entraîner chez moi un amour de Dieu. C'est quelque chose que je peux capter, que je peux saisir, Je vois, même si je ne comprends pas le fonctionnement, je vois. La chose est devant moi, donc j'y échappe pas. À partir de là, je vais constater cette magnificence dans la création. Donc automatiquement, ça va éveiller un sentiment d'amour. Et d'ailleurs, comme nous dit le Zohar, il n'y a pas un service de Dieu plus appréciable que de servir Dieu avec amour. Avec amour, c'est merveilleux. Et je ne peux aimer qu'à partir du moment où il y a une proximité. Je ne veux pas aimer quelqu'un qui est en Australie, bien que je dois l'aimer. Parce que le machin d'homme, il dit, il faut imaginer que tu n'as jamais vu. Même que là-bas, ok, je vais l'aimer. Mais quand est-ce que l'amour, il se forme et il se forge, qu'à partir du moment où il y a une proximité. Donc, comment mon amour de Dieu, il va grandir et se former et se forger, que déjà dans un premier lieu, dans un premier temps,
lorsque je vais pouvoir constater la grandeur de Dieu par rapport à ce qui est à ma proximité, c'est-à-dire dans l'ensemble de la création du monde que je peux constater et voir. Ça, c'est Réhouven. Très bien, c'est un premier pas déjà dans le service de Dieu. Et Shimon, ou Hachem, qui chama Avaï. Ah, maintenant, pourquoi elle a appelé Shimon? La Torah, elle dit, elle remercie Dieu d'avoir entendu ses prières, de lui rajouter un enfant. Veignano, Bavodat Hachem, mais c'est quoi, ça représente quoi dans le service de Dieu? Ou Prinatash Miam, mais l'écoute. C'est-à-dire, on est en train de me parler ici, la réflexion que je vais avoir sur la grandeur de Dieu, mais à travers, si je veux comparer, non pas quelque chose que je vois, mais quelque chose que j'entends. Alors, on sait très bien qu'il y a une différence fondamentale entre ce que j'entends et ce que je vois, jusqu'à même que la Torah vient nous dire En Adomari Alishmiya, tu peux en aucun cas comparer un événement auquel tu es témoin et un événement qu'on est en train de te rapporter. Même si tu as devant toi quelqu'un qui va te le rapporter de la manière la plus parfaite. Aujourd'hui, on peut même utiliser un terme beaucoup plus actuel. Même quand tu regardes une vidéo, elle retrace l'événement. Tu ne peux pas du tout le ressentir de la manière que si tu étais sur place. Car la vidéo, c'est bien après. Là, tu es dans le mouvement. Donc, la vision que tu as est dans le mouvement. La vidéo, ok, elle se rapproche de la vision. Vidéo se rapproche de la vision. Mais tu ne peux pas avoir la même émotion, tu ne peux pas avoir le même sentiment. Donc, quand on est en train de me parler de Shmia, c'est-à-dire de lui, ben lui, forcément, quand j'entends quelque chose, ça représente quelque chose qui est opposé à la vision. Donc, c'est quelque chose de loin. Haïnou, Shema, Vodato, Ibinyan, Elokuta, Mouvdali, Mouhagim, Olam. Ça veut dire, c'est en vérité ma réflexion du divin, mais à travers des notions qui sont infiniment plus élevées de ce que mes yeux peuvent voir ou que ce que ma tête est capable de comprendre. C'est-à-dire me creuser, et essayer de comprendre ce qu'on va me dire. Ah, lorsque je vais comprendre ce qu'on va me dire, automatiquement, il va y avoir un attachement avec Dieu, et là, on va voir que ce n'est pas le même sentiment. Ce que je peux voir est à proximité, donc c'est de l'amour, on va voir que ce que j'entends, c'est beaucoup plus comme c'est de loin. En général, l'amour rapproche, la crainte éloigne. Donc, ce que j'entends, ça va être représente mon service de Dieu à travers la crainte de Dieu. Donc, Shimon, il représente comment on va le voir. La dimension de crainte. Car il y a, ça va d'avance des Irak, j'entends parler qu'il y a des choses grandioses. Ok, merveilleux. J'entends parler que le Aleph, il signifie ça, que le Bet, il signifie ça. C'est très bien, mais j'y comprends pas grand-chose. Je comprends un petit peu. C'est comme quelque chose qui est très lointain. Ou lointain, mais même lointain déjà. C'est pas quelque chose avec lequel je vais être sensibilisé de la même manière que quelque chose que je vois. Et bonne nous, j'ai repris Natari Rouk, mais via l'Iratacher. Ah, lorsque ma réflexion, elle va être sur quelque chose qui est loin de moi, loin de ce que je suis capable de saisir et capter du divin, donc automatiquement, ça parle de quoi? Ben, ça parle de dimensions qui me dépassent. Lorsque j'étudie un texte profond, quand on. J'espère que très vite on va le reprendre, ce cours du mercredi, lorsqu'on étudie la profondeur, on se dit, mais c'est waouh, waouh! Et donc, automatiquement, ce waouh, ce n'est pas un signe d'amour, c'est un signe de crainte. Parce qu'on arrête de se dire, mais jusqu'où ça va? Et jusqu'où ça va veut dire, c'est tellement loin de moi. Comme il a dit Shlomo HaMelech lorsqu'il a parlé de la vache rousse, Rechokai Mimeni, loin de moi. Au contraire, ça met une barrière. Mais c'est qui amène la crainte. Parce que plus je comprends, quand est-ce que je vais craindre quelqu'un? Je ne vais jamais craindre quelqu'un avec qui je suis trop familier, trop à proximité. Jamais je vais le craindre. Ça a été toujours, même que ce n'est pas forcément en public et ça me dérange un peu, donc je vais quand même aller vite. Ça a été toujours pour moi
une grande question, cette proximité que nos frères séfarades ont avec les tzadikim séfarades. Je trouve qu'il y a plus de la familiarité qu'autre chose, qui est, à mon sens, une familiarité déplacée. Je ne me vois pas, moi, prendre le rabbi Lubavitch et l'enlacer comme ça. Chose qu'on a déjà vu plus d'un enlacer Baba Salé ou le Rav Kadouri. Je répète, je ne juge personne, Dieu préserve. Mais pour moi, je dis que cette proximité, embrasser la main, c'est une autre chose. C'est un signe de crainte et de soumission. Mais on a vu plus d'un. Bon, c'est pas ton copain. Donc, y a la distance, au contraire, elle montre que je dois prendre mes distances, que je n'ai pas à faire quelque chose qui est à mon niveau ou qui est juste un petit peu plus supérieur à moi. Au contraire, plus la dimension est supérieure et plus ça éveille la crainte, ça ne veut pas dire me sauver. Ça veut dire prendre conscience que, waouh, je viens de tenir un chaos. C'est la dimension du feu. Du feu, on s'éloigne. De l'eau, on se rapproche. Alors, c'est ce qu'il dit. Donc, il y a la dimension de Shimon. Shimon, il représente, en vérité, cette crainte, ce feu duquel on s'éloigne parce qu'on en a peur. Pas en s'éloigne, on se sauve. On en a peur, on sait que on peut être, Dieu préserve, dévoré par le feu. OK, ça, c'est donc l'amour. Réhouven, il représente l'amour, c'est quelque chose que je vois. Shimon, il représente la crainte, quelque chose que j'entends avec la différence entre lui et la vision. Enfin, arrive Lévi. Alors, Lévi, lui, encore une fois, ce n'est pas des noms qui ont été donnés comme ça. Et ils ont été donnés spécifiquement dans la bouche, comme Ouvan, de parents, mais d'une manière concrète, il y a tout un enseignement dans le service de Dieu. Lévi. Alors pourquoi elle a appelé Lévi? Elle a dit, tu m'as pas mis la veille chez l'ail. Ah, maintenant, mon mari va se joindre à moi, c'est-à-dire s'attacher à moi d'une manière beaucoup plus grande, beaucoup plus forte. Une proximité beaucoup plus grande. Pourquoi? Parce que c'est dit, je vous mis la chambre Kribour Vitardout. C'est un langage de fusion. Mon mari va fusionner. Pourquoi il va fusionner? Parce que j'ai rempli le contrat. On est quatre, on l'a dit tout à l'heure, il doit en amener 12, j'ai rempli mon contrat, donc c'est top. Donc là, mon mari va dire, waouh, bravo, Léa, bravo. Alors, automatiquement, il va être bien avec moi, car qu'on comprenne bien, on parle de Yaakov Avin ici. Yaakov Avin, oui, chez lui, chaque chose est très, on ne peut pas rentrer dans les détails, si on regarde le Rachid aujourd'hui, surtout, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais le Rachid aujourd'hui est très clair. Et il explique que chez Yaakov, il y avait un but bien précis, un nombre d'enfants précis, chaque Nekouda précise, sans rentrer dans les détails. Donc elle se dit, merci mon Dieu, moi j'ai fait mon travail. Et il y a le attaché Mouma, je l'ai démassé à Mitzot, Mitzot, la chante Sartavechibou, on a Sadam Khat, il m'a sauté mon père. Alors maintenant, il y a l'amour, très bien, il y a la crainte, parfait. Maintenant j'arrive à quoi? Ben, la fusion, comment je fusionne? Ben, lorsque je vais accomplir maintenant les mitzvot, car le mot mitzvah dérive du langage tsafta qui veut dire équipe, kribour qui veut dire fusionner. Et d'ailleurs, pourquoi elle dit maintenant Marie va s'attacher à moi? Mais il est déjà marié avec toi. Tu veux qu'il s'attache plus qu'il s'attache avec toi. Alors, il faut comprendre que les mitzvot, quand on fait, bien que le rabbi ne développe pas ça ici parce que c'est quelque chose de compréhensible, mais moi je vais le développer. Les mitzvot, c'est quelque chose, c'est un attachement avec Dieu très, très particulier. Car la bracha que l'on dit lorsqu'on accomplit une mitzvah, c'est Asher ki deshanu be mitzvotav vetzivanu. Quand ce n'est pas une mitzvah, alors, Elokim melech olam, shakol, pourquoi? Mais quand c'est une mitzvah, alors je dis qu'il m'a sanctifié par ses commandements et ordonné. Asher ki deshanu, ariat mekudeshet. C'est-à-dire, c'est le moyen, comme Dieu nous met une bague au doigt, qui douchine. Donc, c'est pour ça qu'elle dit à Pam, il avait chez l'ail. Maintenant, c'est comme un remariage, mais d'une dimension beaucoup plus grande. Donc, là, ça se traduit à travers l'accomplissement des mitzvot. Car à travers l'accomplissement d'une mitzvah, ben, on forme l'union et la fusion qu'il y a avec Dieu, et d'une dimension très particulière. Certes, il y a trois manières de fusionner. Il y a à travers l'étude de la Torah,
Il n'y a pas une fusion plus haute que celle-là. Il y a à travers l'accomplissement des mitzvot, il y a à travers la tefila. C'est trois fusions différentes. Mais ceci dit, les mitzvot, elles, telles que l'on dit mitzvah, c'est un moyen donc de faire un. Yes, je vais à Kesharinyan. Alors maintenant, quel rapport le Rabbi dit avec tout ce qu'on vient de dire? Ma Sheinyan Ze, Badav Kalare Avoda, Bekavaira. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que l'union qu'on va avoir avec Dieu, à travers l'action des mitzvot, elle est bien après l'amour et la crainte? Et Kavaveira. Il dit, comprend bien, l'amour, j'aime, quand j'aime, je fais, j'agis. L'amour, il est en vérité la source et le fondement des 240 000 votes positives. La crainte, Dieu me dit, ne fais pas. Si je vais craindre Dieu, je ne vais pas faire. Si je ne vais pas craindre, alors je vais dire, dis ce que tu veux, Kavirkhon, tu préserves. Dis ce que tu as envie, moi je fais ce que j'ai envie. Donc, les 365 mitzvot négatives, leur source et leur base, c'est la dimension de crainte. Et donc, c'est en vérité, dans le service de Dieu, Klalout, Inyan, Sourmerav, Aseto. Le service de Dieu, lui, il est de deux manières, de deux dimensions. Il y a éloigne-toi du mal et fais le bien. Éloigne-toi du mal et fais le bien, ça veut dire, quand on me demande de m'éloigner du mal, c'est-à-dire ne pas accomplir un interdit de la Torah, quand on me dit fais du bien, ça veut dire accomplir une mitzvah de la Torah. Et ça, ça représente l'ensemble des mitzvot. Et puis, Rabbi Maledé, Yagdamata, va vivre. C'est pour ça que l'ensemble des mitzvot, ils ne peuvent en vérité arriver et se placer qu'en troisième position. C'est-à-dire, après avoir éveillé l'amour, qui est la source des mitzvot positives, donc je vais accomplir les mitzvot positives par amour pour Dieu. Après avoir éveillé la crainte, qui est la source des mitzvot négatives, ben je vais m'éloigner de tout ce que Dieu m'a interdit. Et enfin, donc je vais arriver, le prinatil avei shelai, je vais arriver en vérité à une fusion avec Dieu qui est ma mitzvot. Il a chanté ça avec Ribou. C'est-à-dire que je vais l'accomplissement des mitzvot, il va faire le lien de ces choses-là. Alors maintenant, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que le rabbi a expliqué ? Expliqué que pourquoi dans l'ordre des choses, il y a d'abord l'amour, c'est-à-dire Reuven, après la crainte, c'est-à-dire Shimon, après la fusion des deux, c'est-à-dire Lévi. Il dit parce que tout doit démarrer dans le service de Dieu. D'abord, par la prise de conscience, qu'est-ce qui est autour. Si on va prendre quelqu'un que lui, Dieu préserve un aveugle, Shemishmo Kolam Israël, on va dire, waouh, 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 il faut que tu sois émerveillé par tout ce que Dieu a créé. Il va dire, attends, t'es gentil, mais moi, je ne vois pas, je ne vois pas, tu parles. Ah, tu me racontes les choses, c'est très joli, moi, je ne vois rien. Donc, ça commence au démarrage, par la prise de conscience, de voir. Après, automatiquement, plus je vais, cette vision, elle va me pousser à une réflexion. Je vais rechercher. Il me dit, recherche Dieu, tu vas trouver. Kamouvan jusqu'à un certain niveau. Il y a des dimensions que jamais nous, on pourra comprendre ou pas comprendre. Alors, il dit automatiquement, après cela, intéressant, tu arrives à oui à l'accomplissement des mitzvot. Parce que tu as vu la grandeur de Dieu, tu as compris qu'il y a des dimensions qui te dépassent totalement, donc ça veut dire la crainte. Donc automatiquement, tu vas dire, moi, je ne peux pas m'échapper. Je ne veux pas et je ne cherche pas à échapper. Au contraire, je veux faire un avec lui. Yamidash Lichit. Abayit, Kalenu, Taminot, Chodefaner. Donc c'est le troisième niveau que lui, il englobe les deux niveaux qui ont précédé. De la même manière, au niveau des patriarches, il y en a trois. Il y a Abraham qui est l'amour, Yitra qui est la crainte, et il arrive Yaakov, il fait la fusion de Dieu, c'est Rachamim. C'est la fusion des deux. Et c'est ça qu'en vérité le verset dit, que Léa l'a dit, à ce moment-là, mon mari, il va faire un avec moi, il va m'accompagner, il va s'attacher plus à moi. On aurait pu dire Bali, en général, comment dit mon mari? Bali. Pourquoi Ishi? Alors bon, là, avant d'expliquer, tu es dans le Mahama. C'est marqué qu'au moment de la Géoula, on appellera Dieu Ishi.
et plus Barli. Pourquoi? Parce qu'en hébreu, le mot Baal, ça veut dire le maître. C'est-à-dire pendant le moment du Galout. Alors, on n'arrive pas réellement à ressentir cette fusion amoureuse qui est entre la Neshama et Dieu, entre nous et Dieu. Pendant le Galout, on a beaucoup plus, en vérité, l'accomplissement de la volonté de Dieu, plus par crainte, donc on a un patron, que par amour. C'est beaucoup plus facile. Servir Dieu par amour, c'est très très dur. On l'a déjà expliqué lors des fêtes. Les 10 jours de Tshuva, on arrive à servir Dieu tout le monde. Viens danser tous les soirs à Sukkot, toutes les nuits, sans dormir, rien que par amour pour Dieu. Attends, je suis fatigué. Donc, Bali, ça veut dire mon maître, dire mon mari, ça veut dire mon maître. C'est la dimension en vérité beaucoup plus rigoureuse du maître de maison. Ici, ça veut dire mon homme. C'est déjà un signe d'amour. Il y a déjà une proximité. Mon homme, c'est une proximité. Mais en vérité, dans le langage de la Torah, on comprend bien que Ishi, pourquoi? De Ishi, Pirush Esheli, ça veut dire mon feu à moi. Esheli, ça Ishi. De Kael Eshele Matav Eshele Maïla. En vérité, bête abidot de Avavir, en vérité, ça veut dire quoi? Ça représente les deux formes de feu. Oui, deux formes de feu. Ben, quand on faisait les korbanot, le but des korbanot était quoi? Était du fait, non pas que nous sacrifions une bête, enfin que les kohanim, en notre nom, sacrifient une bête et la consument. C'est ça le but. Monsieur Rabbein nous l'a fait ça pendant 7 jours. Il a dit, c'est pas ça le but. Le but, il est que Dieu, il descende. C'est quoi que Dieu descende? C'est-à-dire qu'il y ait un feu d'en haut. Alors, évidemment, le feu, il avait différentes apparences, suivant les cas, on ne va pas non plus détailler. Soit une apparence de lion, soit une apparence de chien, on ne va pas maintenant entendre tout ça. Mais d'une manière concrète, il y avait un feu qui descendait, dévorait le corban. Attends, il dit, ok, alors à quoi ça sert d'allumer un petit feu que le Kohen il allumait? Il dit, même qu'en vérité, tout le but, il est de faire dévoiler le feu d'en haut, ce qui montre en vérité que Dieu avait agréé notre sacrifice. Mitzvah, la vie, mila idiot. C'est une mitzvah que l'humain, il fasse un petit quelque chose. Comme ça, tu as l'impression que tu as fait quelque chose. Comme Moshe Rabbeinu qui n'arrivait pas à lever le Mishkan. Dieu lui a dit, vas-y, viens, mets le petit doigt, le Mishkan, il s'est levé tout seul. La menorah, pareil, il a dit, jette de l'or, elle va se former toute seule. Dieu, il attend que nous, on mette un petit doigt. Lui, va faire tout le reste. Alors maintenant, cette dimension de Ava Veir A, d'amour et de crainte, en vérité, l'amour, il représente le feu d'en bas, c'est-à-dire le feu que le Kohen Gadol, le Kohen, il allumait. En bas, c'est un petit feu. Mais la crainte, il représente le feu d'en haut, c'est-à-dire un grand feu qui descendait et qui consumait le corban. Mishneh, Miyarad Ba'in, Yanila, Veishelai, et de la fusion des deux, ça faisait une fusion totale, pas tout un yin, pas de Kazali Yaakov Avino. Ah, c'est qui celui-là qui, c'est quoi la troisième dimension? Ben, c'est Yaakov. Shemida, Tomida, Kolebet, Avino, Nava, Veiro. Que Yaakov, lui, il a sa mida à lui, elle est de faire fusionner aussi bien la mida de son grand-père Abraham et de son père Yitzhak. D'ailleurs, il y a un verset que pas tout le monde ne s'est peut-être posé la question, ou se pose la question, n'ont pas de réponse, ou le méchant est quoi, enfin, n'ont pas de réponse qu'on va chercher. Il y a un verset qui dit, et Yaakov, Asher Pada et Abraham. On dit, Yaakov qui a sauvé Abraham. Il a sauvé d'où Abraham? Ça veut dire quoi que Yaakov, il a sauvé Abraham? Ben, tout simplement, c'est assez élémentaire en plus. Abraham, il représente Midata Chesed. Chesed, elle ne peut pas s'exprimer à 100%. Pourquoi? Parce que Goura, elle ne laisse pas. Goura, elle fait un barrage. Qui c'est qui est capable de faire descendre le Chesed? C'est Yaakov. Parce que lui, il arrive à mettre d'accord les deux. Donc, grâce à Yaakov, Abraham il peut s'exprimer. Grâce au Rachamim et l'amour et la rigueur et le feu et l'eau, ils peuvent se retrouver d'accord. C'est ce qu'il dit ici.
Ah, maintenant qu'on a expliqué Réhouven, brièvement, Shimon, encore plus brièvement, Lévi, encore plus brièvement, il dit, mais quand même, il y a un quatrième qui arrive. C'est Yehuda. Bonjour. Il a, je n'ai pas un mot de travail. Il dit, ah, maintenant, je loue Dieu. C'est Inyaouda, ou Prinatabito. Quelqu'un qui loue, c'est un qui est annulé, totalement annulé devant Dieu. Et d'ailleurs, verset le dit, Shkatova Rakar, Vatamod Miledet. Là, elle a arrêté d'enfanter. Pour l'instant. Parce qu'après, il va en avoir encore trois. Mais pour l'instant, dès qu'elle est arrivée à faire le travail de Shimon, Réhouven, Shimon, Lévi, elle loue Dieu, elle dit maintenant, repose-toi, laisse travailler les autres. Toi, c'est pas que tu as fait ton travail. Tu as fait ton travail au-delà et tu as même été jusqu'à pousser une louange à Dieu. Merveilleux. Alors maintenant, et en vérité, le niveau de Yehuda, les malamiki melofane avodana, le niveau de Yehuda, il est en vérité infiniment plus haut que les trois niveaux qui l'ont précédé. C'est-à-dire même plus encore même que l'amour, la crainte et la fusion de deux. Comme d'ailleurs Yaakov, lorsqu'il bénit Yehuda, qu'est-ce qu'il lui dit ? Yehuda, atay udurachera, tes frères, ils vont te louer, ils vont te reconnaître, ils vont reconnaître ta grandeur. Ça veut dire que tout en vérité se plie, si l'on peut dire, devant Yehuda. Et donc, ok, mais il y a un Michel Noir. Mais c'est les trois niveaux de amour, crainte et fusion des deux, c'est en vérité des midotes. Très bien. Mais les midotes, c'est constamment en évolution. En changement, ça bouge. Alors, okay, des fois j'aime, des fois je crains, des fois les deux, des fois je suis Dieu préserve triste, des fois je suis pas triste. L'émotion, c'est quelque chose qui bouge énormément. Yehuda, on bouge plus. Ça qu'elle a arrêté d'enfanter. Yehuda, c'est quand je suis devant un roi, même un cil, je ne vais pas lever. Quand je suis devant un roi, je suis totalement impossible de bouger. Ça, Yehuda. In, a priori, après qu'on est venu m'expliquer, c'est-à-dire le sujet d'amour, crainte, accomplissement des mitzvot, que je vais arriver en vérité, Yehuda, un véritable niveau de soumission à Dieu, et que ça, c'est beaucoup plus haut. Alors, il nous dit, voilà que dans un autre endroit, il parle dans Torah un peu plus loin. Mashma, on déduit, Shebitu la Adam, Eina Darga Hina Alet. Bavod Alefer, Shuatrat, Avod Avisod Avod. Alors maintenant, on a un problème. Là-bas, dans le même Amar, la Douazakan, il vient me dire, mais t'as rien compris. Là, d'après le raisonnement que je viens de te faire, d'après la dissertation que je viens de te. Je t'ai expliqué qu'il y a un ordre. Réhouven, Shimon, Lévi, et puis t'arrives au top, Yehuda. Amour, crainte, mitzvot. Après, tu arrives à la soumission à Dieu. Il te dit, mais c'est vrai, ce que tu n'as pas compris, c'est qu'en vérité, cette soumission à Dieu, elle doit être le commencement de ton service de Dieu. Mais non, tu viens de me dire le contraire. Tu viens de me dire que ça passe de cette manière. Alors maintenant, comment on fonctionne ? C'est quoi le niveau le plus haut alors ? Si Yehuda, en vérité, tu me dis, il n'est que le démarrage de mon service de Dieu et la base de mon service de Dieu, je vais me dire le contraire. Il y a nous, on a bien expliqué. Que me voir, Charme, comme l'a demandé Zakani dit. Alors, de toutes les façons, quelqu'un qui n'est pas soumis, pourquoi tu veux qu'il fasse ? Je ne fais pas. Alors, oui, mais d'un autre côté, on m'a expliqué que je ne peux pas arriver à ça. Donc, on a un problème. Alors là, il va expliquer comment ça marche. Parce que ça paraît antagoniste totalement. Alors maintenant, il va dire que ce n'est pas du tout antagoniste. Et tu vas comprendre que ce n'est pas antagoniste. Raïn, elle va voir Charm, comme c'est expliqué là-bas dans le Mahamar, de Mebit, ou Liège, d'Argot, que dans l'annulation, dans la soumission à Dieu, il y a deux niveaux. Liège, non, il y a un niveau de Bit, ou le niveau le plus bas, il y en a Bit, ou c'est Ferliot, Betridata, Avoda. Il y a un Bitoul. Une annulation, une soumission à Dieu qui doit être au démarrage de mon service de Dieu.
c'est-à-dire lorsque je suis encore loin, je suis soumis, je m'annule parce que ça me dépasse. Et ça, c'est avant même que je commence déjà à servir Dieu avec amour et crainte. C'est tout simplement le Modéani qu'on dit le matin. Le matin, on dit Modéani, c'est Yehuda, Modéani, tu n'as rien fait encore. Pour l'instant, tu loues Dieu de t'avoir rendu ton âme. Et tu n'as encore rien fait. Tu n'as pas accompli le Mizot, tu n'as pas encore étudié la Torah, tu n'as encore rien fait du tout. Ça, c'est le premier niveau de Bitou. Avant même qu'on arrive avec le service de Dieu d'amour et de crainte. Mais il y a un bitoul d'un autre niveau que celui, le bitoul que tu atteins après avoir fait ton travail. Après que tu as aimé Dieu, que tu as servi Dieu avec amour, qu'il n'y a pas en vérité un service de Dieu plus appréciable que celui avec l'amour. Et après, servir Dieu avec la crainte d'une manière parfaite. Et après avoir fait accompli le troisième niveau de les mitzvot parfaitement, alors il dit, en vérité, après tout ça, après que tu as aimé, que tu as craint, donc pour aimer et craindre, il faut déjà que j'ai un premier niveau d'annulation, de soumission à Dieu. Après, je vais aimer, je vais craindre. Après, je vais accomplir les mitzvot. Merveilleux. Et là, je vais atteindre, une fois que je vais faire tout ça, et comme il faut, là, automatiquement, je vais arriver au niveau de la soumission à Dieu la plus grande. Et jusqu'à arriver à quoi? Comme il a dit Yaakov à Yehuda, il lui a dit, toi, Yehuda, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Ça veut dire que tes ennemis, tu vas les dominer en vérité, ils nous parlent dans mon service de Dieu. Que si j'arrive à faire ça, alors mon Yetzerara, il l'attrape par la nuque. C'est pas lui. C'est moi qui le dirige, c'est pas lui qui va me diriger. Voilà qu'à travers ce sujet-là, c'est-à-dire à travers le service de Dieu qui représente Rouven, Shimon et Lévi et le niveau de Bitoul, qu'on arrive à Yehuda, à Trimimod, Orab, Marseille, Mavodat, Kolera, Dram, Israël. J'ai besoin, moi, de venir comprendre, tirer un enseignement dans mon service de Dieu en tant qu'individu. Kagam, Shiadouaef, Reshbenavot, Lishvatim. Même ce que c'est connu, la différence qu'il y a entre les patriarches et les chefs de tribus et les tribus, j'ai pris Natavoti, Rouchalivnem, Machem, Bechol, Dorvador. L'héritage que les patriarches y transmettent, comme on dit, un père, c'est un géniteur. Donc, l'héritage que les patriarches y transmettent, en vérité, ça, c'est la relation qu'il y a dans toutes les générations de chacun d'entre nous. C'est pour ça que dans les filotes, qu'est-ce qu'on dit? Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. Next, stop. On ne parle pas des tribus, parce qu'on est tous. Bien que moi, je viens de Yehuda, l'autre il vient de Shimon, l'autre il vient de Réhouven, et peu importe de quelle tribu il vient, tous on vient d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est la dimension de géniteur. Alors que, en vérité, chacun, en fonction de la tribu d'où il vient, il a automatiquement une force et une tendance. Bien qu'en vérité, il faut quand même expliquer ce que le Rabbi dit ici. Le Rabbi dit que chacun, il a en vérité en fonction de la tribu d'où il vient. Alors, une tendance vers ci ou vers ça. En vérité, comme on le voit dans les Hiratson que l'on dit pendant les Nessim, les 12 premiers jours du mois de Nissan, là-bas, on comprend qu'en vérité, oui, il y a une fusion entre les Neshamot. C'est-à-dire que même si je fais partie de la tribu de Yehuda, il y a chez moi une parcelle de la tribu des 11 autres tribus. Mais malgré tout, la dominante chez moi, elle est la tribu d'où je viens. Alors que lorsqu'on parle des patriarches, il n'y a pas de problème de dominante ou pas dominante. C'est trois, c'est tout. Comme ça n'est pas d'en contredire que Akavan, Hacham, Yil et Ika Avoda. Avoda, 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 Ikarit.
Le Icar, il est quoi? Rabbi dit, le Icar, il est de servir Dieu comme les avots. C'est quoi comme les avots? Amour, crainte et harmonie de deux. Et ça, c'est valable pour tout le monde, peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, peu importe ta source. J'aime qu'il y a la voda de choléra de majorité, mais la voda d'Icaret de choléra d'Israël. Alors que, si on va regarder le service de Dieu, qui a une relation avec les tribus, ok, toi, tu es la tribu de Reuven, tu as un job. Toi, tu es la tribu de Shimon, tu as un job. Toi, tu es la tribu de Yehuda, tu as un job. Et chacun a son job. Alors, une des raisons pour lesquelles que dans le désert, les campements étaient espacés et ils avançaient dans un ordre précis, chacun avait son drapeau. Chacun, il a son job. C'est l'une des raisons pour lesquelles que la mer rouge, quand elle s'est ouverte, et s'est ouverte d'après le Midrash, en 12 parties. Chacun, il a son canal. Mais tous ces 12-là, ils n'ont qu'une seule, un seul patriarche, enfin, pas un seul patriarche, on a les mêmes patriarches. Abraham, la source est la même. Abraham, Isaac, Jacob. Aval Bichlal, quand on regarde le global, Mouvan, Sheyeshna, Avodat, Kolashvatim, Gam, Bechol, Echam, Israël. Il y a en vérité, pas seulement le fait de servir Dieu à travers amour, crainte et fusion, mais étant donné, comme je viens de le dire il y a quelques minutes, que chacun d'entre nous, il a une petite parcelle des autres, d'autres tribus, il y a effectivement un passage de ça des autres tribus, bien que la dominante chez moi n'est pas forcément celle des autres. Et donc, en vérité, le Rabbi il dit, même le sujet de Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, chacun il a en lui. Comment chacun il a en lui? D'où tu tiens ça? Ben, c'est dans le chitat de demain. Dans le chitat de demain, dans le chitat d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Alors, aujourd'hui, ce n'est pas demain. Parce qu'en vérité, il dit que qu'est-ce qu'il y a? Lorsque Yaakov a venu la bénir, la Torah elle dit Ish Asher Kebirkato Berachotam. Chaque homme suivant la Sabracha, il les a bénis. Rashi dit, ça veut dire quoi? Ph Rashi, Yachol, est-ce que c'est possible? Shelokal Kolam Bechol Abrachot. Quoi? T'es venu, t'as donné une bracha à Yehuda qui n'est pas la même que celle de Lévi, ou qui n'est pas quoi, donc tu fais des différences, ça ne t'a pas suffi l'histoire de Yosef. Tu continues, tu vois le khouban que tu as fait, déjà avec Yosef, je dis khouban entre guillemets ou sans guillemets, et là qu'est-ce que tu fais? Tu as deux doigts de rendre l'âme à Dieu, bien que Yaakov le mette, on a vu que l'âme encore, même aujourd'hui, khouban aujourd'hui. Alors comme malgré tout, qu'est-ce que tu recommences? Alors je dis chaz et shalom. Pour que tu saches que ça ne peut pas, c'est Rachid qui le dit, ça ne peut pas être que chacun il a reçu que la bracha que pour lui. Ah, t'appelles Reuven, je dois 20 000, voilà 20 000, va-t'en. T'appelles Shimon, ben voilà, t'as 200 000. Pas compris, t'as un héritage, partagé d'une manière identique. L'aîné, c'est l'aîné, mais on ne parle pas de l'aîné, mais le reste, de manière identique. Il dit, Rachid, même, il dit, je ne peux pas imaginer, et on le comprend dans les mots, qu'est Birka, toi, je me retarde. C'est en vérité, normalement, il aurait dû dire, Rachid, qu'il veut se mettre autant, comme la bracha qu'il lui a donné à lui, donc en tant qu'individu. Remarquez, comme la bracha, comme il les a bénis. Donc Rachid vient m'expliquer qu'en vérité, Tamoud Lomar, donc Rabbi dit, ça veut dire que de là, tu comprends, c'est Rachid, mais Foraz, dans le chitat d'aujourd'hui, qu'en vérité, chaque tribu, chaque chef de tribu, représentant la tribu, et a reçu la bracha de tout ce que les autres ont reçu. Parce que c'est ça les Kalelout, on forme un. Donc de là, en vérité, on comprend que le service de Dieu de chacun des tribus, pas seulement qui est le service de Dieu par rapport au patriarche qu'on a, Shaïre de Rolé Raveram Israël. Donc en vérité, chacun d'entre nous, peu importe de quelle tribu on fait partie, eh ben, on doit servir Dieu de toutes les mains, de toutes les façons. Avec Reuven, Shimon, Lévi, Tassar, etc. Au Bifrat, c'est un surtout que n'oublions pas, Rabbi, il dit. De qui on parle? C'est qui les Shlatim? C'est qui les tribus? On est tous on a un seul même père, on est tous de Yaakov. Ah, c'est peut-être pas une même mère. Dans le cas des enfants de Yaakov, mais on a un même père. Ah, avec Rabbi Koulon, on a un seul père, c'est Yaakov. Mais qui nous Birkat Yaakov? Et en vérité, on a tous reçu, ils ont tous reçu la bracha de Yaakov.
sur Kol Yisrael Yichlelu Binishmato Shel Yaakov Vavigas HaKedish. Et comme la Gourazakan y rapporte dans Yigrat HaKodesh, que Yaakov Avinu était une Neshama Klalit. Ça veut dire, en vérité, il avait en lui une parcelle, comme Adam Arishon, c'est qu'il a fait son tikkun comme Moshe Rabbeinu Bechoulou. Il contenait en lui toutes les Neshama du peuple juif. Donc, automatiquement, quand il donne une bracha, automatiquement, on englobe tout le monde. Et il n'y a pas de différence entre celui-là, 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 celui-là. Et Rashi, d'ailleurs, le soulève. Que Birkato Hashem Berach Otam. Il a donné, c'est vrai, dans les termes, ça peut paraître une bracha différente à l'un et à l'autre. Non, c'est en dehors de la bracha globale que tout le monde a reçue. Chacun, il y avait un avertissement particulier, une ordonnance particulière. Mais la bracha, elle était clanite. Yesh, Romar de Zé, comme ça, on peut dire que ça, c'est en vérité un lien. Ce lien qu'il y a entre tout le peuple juif et Yaakov, dire Mazgam ben Mashekolam Israël, Nikrem Yisham Israël. Comment on est appelé, nous, peuple juif? On est appelé Israël. Shmo Shel Yaakov. Israël, c'est le nom de Yaakov. Ou Bifrat, Alpire Mesayadoua. Et surtout, par rapport au sous-entendu qu'il y a dans le terme Israël, qu'Israël rachetait votre Shimribo, tu as de la Torah, que le mot Israël, c'est en vérité les initiales de qu'il y a en vérité. 600 000 lettres dans la Torah. C'est très bien que dans la Torah, il n'y a pas 600 000 lettres. Dans la Torah, il y a 304 805 lettres. Dans tout ce la Torah. Ah, comment tu arrives à 600 000, tu n'arrêtes pas à me rappeler encore qu'en vérité, c'est 600 000. Parce que d'après un autre calcul, on arrive à 600 000 et au cours de mercredi, millénaire, je vous redonnerai le tableau comment on arrive à 600 000 parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui est au hasard. Parce que quand on compte les lettres une par une, on arrive à 304 805 lettres. Or, on n'arrête pas de nous dire à chaque fois, mais non, dans la Torah, il y a 600 000 lettres, car ça représente les 600 000 neshamot principales du peuple juif, qui elles-mêmes se sont découpées en 600 000, donc regarde ce que ça fait, et qui elles-mêmes sont encore recoupées en 600 000, donc c'est neshamot à l'infini. Donc il dit, si c'est ça Israël, Israël c'est initial, si vous montez le temps. Haïm, je suis un mais dans le coach, je suis un peu plus Israël, je suis un peu plus chamot. Je suis un peu plus chamot, je suis un peu plus chamot. Et donc en vérité, comment tu comprends bien que le peuple juif, il n'a pas où aller, il forme un, peu importe de quelle facette tu le vois, de quelle facette tu le regardes. Allié, des avéines, allié, des avodazos, les moutards. Et donc quand on va servir Dieu de cette manière, et qu'on va atteindre une perfection de ça, c'est-à-dire le niveau de Bitoul à Dieu, comme il se doit, Bitoul Prinata Paramodé Tavaï, qu'on arrive à cette dimension que cette fois-ci je loue Dieu. Paim Lehem Sharbikat Yaakov Adki Avo Shiloh Veloikat Ami. Alors c'est marqué, jusqu'à, comme il a dit, jusqu'à qui va venir Shiloh. C'est qui Shiloh? C'est Mashiach. Shiloh, c'est Mashiach. Shiloh, Melcha Mashiach. Pourquoi Shiloh? Shiloh, c'est Shiloh. Il y en a un autre qui dit Shiloh, il va le dire tout de suite d'ailleurs. Il y a Midrash Rela qui dit Shiloh, Shiloh. C'est un cadeau. C'est un cadeau que Dieu donne. Donc Shiloh, c'est Mashiach. Shamlucha Shiloh. Pourquoi Mashiach? Parce que la royauté lui appartient. On va mettre Midrash Rela Shiloh, Shiloh. Je n'ai marre, donc il y a Vilou Shiloh Mora. Et comme c'est marqué en vérité, pourquoi c'est un cadeau? Parce qu'ils vont venir amener le c'est un cadeau à tous ceux qui craignent. C'est pour ça que de lui, on dit que tous les peuples, ils vont venir en vérité se rassembler. Ils vont sortir de Mashiach. Parce que qu'on comprenne bien, aujourd'hui, ils ont beau vouloir rigoler. Rien de Dieu tout de suite, Mashiach, il va se dévoiler. Et dans ce cas-là, il y aura un dévoilement de Dieu universel. Et là, automatiquement, même l'égoïme, ils vont comprendre qu'il y a un Dieu. Et ils vont arrêter de nous bassiner avec le de toute façon, ils n'auront pas trop le choix parce qu'on va le mettre à Mikdash dans sa place. Et dans ces cas-là, d'ailleurs, comme on a déjà dit, on le dit tous les matins à la Tfila, c'est en vérité le dernier pasouk de la Haftara du jour de jeûne. Qui beit Tfila, et qui a le Cholamim. Comprenez bien que le Beit HaMikdash, il n'y a pas que les Juifs qui peuvent aller prier, même les goïs, ils peuvent et ils doivent aller prier. Même les corbanotes, comme on voit, ce n'est pas eux qui vont les sacrifier, c'est les Kohanim. Comme on a vu toute l'histoire là-bas avec Narmouish Gamzou, etc.
Il dit pas le Mashiach yegilu elokut gamum dans le moment de Mashiach, un dévoilement de Dieu universel en problème l'égoïme. Quand on va ramam que nous ramam il dit shas et tout quand kololam kula votet Hashem. À ce moment-là, le monde entier sera en vérité préparé, réparé à servir Dieu. Comme c'est marqué dans les prophéties, qu'à ce moment-là, Dieu va transformer un langage clair pour tout le monde, et tout le monde servira Dieu d'un même élan. Il n'y aura pas, non, mais quoi, quoi, quoi. Kamouva, quand il servira, il n'a pas dit que tout le monde va être, que les goïs vont devenir juifs. Ça n'a même pas dans les rêves. Mais il a de dire qu'à partir du moment où tout le monde va constater Dieu, et donc automatiquement, tout le monde va vouloir servir Dieu avec ses capacités, ses inanimes. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y aura pas un court moment indéfini, Kamouvan et indéfinissable, ou dans lequel Dieu va laisser la possibilité aux Juifs de faire tchouva et donc automatiquement au goy de se convertir. Mais ça sera tellement dur à ce moment-là qu'il vaut mieux pour ceux qui veulent se convertir qu'ils le fassent maintenant, et pour de leur plein gré, évidemment, personne ne viendra les chercher, et pour les Juifs qui en ont besoin tous de faire tchouva, qu'on fasse tout tchouva maintenant. Comme c'est marqué à ce moment-là, la royauté, la part d'Yadja Havaye, Ali a gambé Israël, automatiquement, ça amènera une élévation même chez nous. Voir le Kamam Kem, est-ce qu'on sera amené dans plus de différents endroits. Mashiach est là maintenant, Gamet Moshe Rabbeinu, va avoir des côtés à la joie. Que Mashiach, il va enseigner la Torah à Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe et tout le monde. Il va les mettre tous en quitte à l'air. Nous, on va être en Kita, moi, je ne sais pas combien. Eux, ils vont être en Kita. Imaginez Moshe Rabbeinu, Kita, machin, il va lui dire. Kamat Zalefa, Kamat Betba. C'est une façon de parler, évidemment, un peu humoristique. Peu importe, de monde noir ou pas, mais c'est comme ça que ça va être. Parce que le dévoilement de Dieu qu'il y aura au moment de Mashiach, il n'y a jamais eu dans le monde. Il y a pas, quand je dis dans le monde, je ne parle pas seulement dans ce monde terrestre. Même dans les mondes supérieurs, même au Gan Eden, là où il est Moshe Rabbeinu, il ne va pas voir ce que il voit pas ce que nous on va voir, nous tous, lui inclus, au moment du dévoilement de Mashiach. Aucune neshama ne peut voir Dieu. Au moment de Mashiach, tout le monde va voir Dieu. Et tout ça, comment on arrive à cette période? Tout simplement, Reuven, Shimon, Levi, Yehuda. Notre service de Dieu, pendant les 6 millénaires pour lesquels ce monde a été créé, et le Icar du Icar, il est, et José, que tout cela s'accomplisse rapidement de nos jours et immédiatement pour nous. Amen, Kani Ratzon.